Du gel à l'entrée, une file d'attente jusqu'à la pharmacie, le marché de souffle, d'abord interdit, a finalement pu se tenir au dernier moment. Et les clients apprécient. Super, super. Champion pour tous ceux qui l'organisent. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Comme ça, on peut sortir. On a une excuse pour sortir aussi un petit peu, faire la promenade et les courses en même temps. Place entièrement bouclée, commerçants plus écartés, la sécurité est encore montée d'un cran. Les clients ne touchent plus les produits. On va me les donner ici. Je n'approche pas le stand, on ne touche rien. Donc c'est sécurité. Ok, 1 kilo. Les commerçants fidèles à Souffelweiersheim ont été prévenus tard la veille. Impossible pour eux de ne pas venir. Il ne faut pas oublier que c'est notre dernier marché qu'on fait en ce moment. Tous les autres ont été annulés, on n'a pas eu d'accord pour les autres. Donc on est content de venir à Souffle. C'est très bien, nous apprécions d'avoir nos commerçants, d'avoir un peu de frais. Et c'est plus rassurant que dans une grande surface. Voilà. Après plusieurs jours de tergiversation, le marché alimentaire de la commune tient désormais sa dérogation. Il pourra se tenir durant toute la durée de la crise sanitaire.